Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver dans le spot. C'est la saison des festivals. Aujourd'hui, nous sommes à Grenoble pour les 19e rencontres du cinéma de montagne. Une semaine pour découvrir la montagne sous toutes ses facettes. Nous retrouverons tout à l'heure Liv Sansos qui présente le film Voix féminine, Christophe Dumarey pour le film Granit Tour et un artiste du vide, Antoine Le Ménestrel. Tout de suite, le sommaire. À tout à l'heure. Au premier plan, les arbres rayonnent encore aux lumières et couleurs automnales alors que lointain, la neige a déjà pris place sur les sommets. Le temps des premières sorties rando, de rouler dans les feuilles, de courir la nuit tombante et de s'évader au gré des récits et images de montagne. Depuis presque 20 ans, les rencontres du cinéma de montagne de Grenoble embarquent des milliers de spectateurs pour une aventure folle aux quatre coins du globe. 5 soirées, 5 thèmes, focus sur la soirée grimpe en tout genre avec comme invité cette semaine Liv Sansos, grimpeuse, skieuse, alpiniste et parapentiste entre autres. Elle était à l'affiche du film Voix féminine réalisé par Sandra Ducasse et Francisco Taranto. Christophe Dumarey présente quant à lui Granit Tour, une joyeuse épopée dans le massif du Mont Blanc en compagnie de Shed Villanueva. Enfin, Antoine Le Ménestrel nous emportera dans son monde poétique et vertical. Ancien grimpeur de haut niveau, il évolue aujourd'hui à la croisée entre l'escalade et les arts vivants. Tout de suite, les news avant de retrouver nos invités. Loin des montagnes, la verticalité s'invite aussi à Paris. En parallèle de la verticale de la Tour Eiffel, les premiers battles de Montmartre ont permis aux amateurs et passionnés de découvrir la course d'escalier dans un lieu d'exception. 32 hommes et 12 femmes sont partis à l'assaut de la butte pour tenter de décrocher l'heure de Sartre pour s'atteler la Dame de Fer et ses 1665 marches. Au terme de battles acharnés, Victor Sauvin du côté des hommes et Sonja Shakespeare du côté des femmes ont remporté l'heure de Sartre. Rendez-vous le 15 mars 2018 pour la 4e édition de la verticale de la Tour Eiffel. The small Slovenian mountain town of Kranj played host to the final IFSC World Cup action. La saison de Coupe du Monde d'escalade s'est achevée à Kranj en Slovénie. Une finale de haut vol pour décider du dernier podium de la saison. Sur cette terre, Jana Karnbret conclut sa saison en beauté. La grimpeuse de seulement 18 ans triomphe dans cette ultime voie et devient la première athlète à remporter 9 étapes de Coupe du Monde en une seule saison. La Coréenne Jane Kim prend la deuxième place du classement général, suivie de la Belge Anak Verhoeven. Chez les hommes, c'est l'Autrichien Jakob Schubert qui brille sur cette étape en Slovénie. Le double champion du monde est le seul à avoir sorti la voie sur cette finale. Si le Français Romain Desgranges, 9e en Slovénie, a loupé cette finale, il monte sur la plus haute marche du podium final de cette Coupe du Monde. L'Italien Stefano Ghisolfi prend l'argent et le Japonais Kaishiro Korenaga le bronze. Autre festival à ne pas manquer si vous êtes dans la région Rhône-Alpes, Trek s'associe au Festival international du film d'Autran pour vous faire vivre l'aventure à 360 degrés. Du 6 au 10 décembre, rendez-vous sur le plateau du Vercors, plus de 50 films au programme de cette 34e édition du Festival d'Autran. Bonjour Liv. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu présentes ce soir avec Martina et Marion le film Voix féminine. Quelle est la genèse du projet? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec ce film? Alors en fait, c'est vraiment la réalisatrice Sandra qui a rencontré Martina, qui s'est dit « Ah mais c'est une femme extraordinaire » et qui me connaissait de nom et qui connaissait également Marion de nom et qui s'est dit « sont toutes des femmes qui vivent au même endroit » qui grimpent ou qui font de la montagne et qui ont chacune une particularité et j'ai envie d'en parler. Et Sandra a voulu en parler au travers de,
du mot force. Qu'est-ce que représente la force pour une femme? Donc c'est parti de là, elle nous a fait nous questionner sur le mot force, sur qu'est-ce que ça représente pour nous. Et de là, le documentaire était lancé. Cet endroit, c'est Chamonix et la vallée de Chamonix. C'est ça. Et donc, forcément, la question, qu'est-ce que ça représente pour toi, le mot force? Personnellement, je le conceptualise comme... comme une boule, c'est pas vraiment une boule de feu, mais comme une boule que j'ai dans le ventre. En ayant fait des années de compétition, en ayant été amenée à jouer pour gagner des titres de championne du monde, j'ai toujours eu cette force à l'intérieur que j'ai souvent vue matériellement comme une boule de feu. Mais après, je pense qu'il y a plein de forces différentes. Il y a une force féminine et plein d'autres choses qui vont avec. Vous êtes toutes les trois figures assez emblématiques en montagne, trois femmes fortes. Toi, donc, comme tu le disais, tu avais un passé de grimpeuse en compétition. Aujourd'hui, tu vis vraiment la montagne à 100%. Tu fais de la grimpe, tu fais du ski, tu fais du parapente, de l'alpinisme. Qu'est-ce que toi, tu recherches en montagne? Je pense que la montagne, c'est quelque chose qui représente beaucoup pour moi. Et assez simplement, j'aime y être. J'aime me trouver en montagne, j'aime être au sommet d'une montagne, observer, regarder. J'ai du plaisir, c'est tout simplement le plaisir d'être en montagne. Il y a le plaisir de l'effort aussi, parce qu'il y a des grosses journées, il y a des bivouacs qui sont glaciales, il y a des moments durs, mais il y a ce plaisir de l'effort, des fois du dépassement de soi, et puis de le partager avec des personnes qui sont précieuses, des personnes avec qui on a décidé de partir dans cette course pour une raison bien précise. Justement, depuis l'hiver dernier, je crois, tu t'es lancé un défi de faire les 4000 des Alpes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment t'es venue l'idée? Qu'est-ce que t'as envie de faire et où t'en es dans ce projet? Alors, dans l'arc alpin, on a 82 sommets de plus de 4000 mètres qui sont situés géographiquement entre l'Italie, la Suisse et la France. Et il y a 2 ans, je me trouvais au sommet du Schreckhorn, c'est une montagne en Suisse, dans l'Oberland. Et j'ai trouvé cette montagne magnifique et tous les autres 4000 autour vraiment aussi très beaux. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas toutes les grimper? Alors je pense que je n'avais pas réalisé tout de suite l'ampleur du projet. C'est quand même grimper 82 sommets au-dessus de 4000 mètres, c'est quand même, ça fait beaucoup, beaucoup de montagnes. J'ai décidé aussi de le faire sans utiliser aucune remontée mécanique. Donc je prends pas de train ou pas de remontée mécanique. Les trains en Oberland ou l'Aiguille du Midi, par exemple à Chamonix, je ne prends jamais. Donc ça rajoute un petit peu plus, mais je trouve que c'est un beau retour à faire les choses simplement, avoir une marge d'approche et un peu en self-propelled, même si j'utilise la voiture pour aller sur Zermatt ou pour Saas-Fee. Je trouvais le côté pas prendre de remontée mécanique assez intéressant. Au jour d'aujourd'hui, j'ai grimpé 76 montagnes avec une petite vingtaine d'amis différents. Il me reste donc 6 à grimper qui sont toutes dans le massif du Mont-Blanc. J'avais prévu dans mon itinéraire de finir par le massif du Mont-Blanc. Oui. Je vis au pied du Mont-Blanc maintenant. J'ai décidé de m'installer aux Ouches et je me suis dit que ce serait chouette de pouvoir finir à la maison. 4 sommets qui vont être assez facilement réalisables. Mais 2 sommets qui vont être un peu plus délicats. Alors on verra si je peux finir cette année. Si je finis pas cette année, je finirai au printemps l'année prochaine. Déjà bravo pour ces 76 sommets, c'est pas rien. Et c'est une aventure que tu as vraiment aussi choisi de partager. Sur tous ces différents sommets, tu t'es accompagnée, entourée d'amis ou de passionnés aussi de montagne, non? Oui, exactement. L'idée, c'était pas de faire ce projet le plus vite possible avec le même compagnon, mais c'était de pouvoir le partager avec une amie qui est plutôt skieuse, un ami qui est plutôt alpiniste, enfin des personnes à qui j'ai déjà partagé des choses. Et je me suis dit, ben, si je veux faire ce sommet, j'aimerais le faire avec cette personne-là. Et tous mes compagnons, compagnes de cordée, ont vraiment joué le jeu, sont montrés très flexibles par rapport à la météo. Et on a pu faire vraiment des jolies choses en associant le ski, l'alpinisme et le parapente. Bon, très bien, on va suivre de près la fin de ce projet. Un petit dernier mot sur les rencontres du cinéma de montagne de Grenoble. Il y a de plus en plus de festivals de films de montagne, c'est très bien. Grenoble, ça fait maintenant 19 ans. Pour vous, athlètes qui aujourd'hui vivez aussi de cet aspect, de l'aspect de la vidéo, de la photo, de la médiatisation, qu'est-ce que ça fait de présenter son film aussi devant une salle qui fait quasiment 4000 places, je crois? Bah, c'est toujours un grand plaisir quand on est là au contact avec le public, qu'on sent leur réaction, qu'ils ont aimé le projet, qu'on peut interagir avec eux.
Que les gens derrière vont vous mettre un petit message sur Facebook pour vous dire on a trouvé ça super, ça nous inspire, ça nous donne envie d'aller en montagne ou d'oser ou d'essayer des choses. Je trouve que c'est objectif atteint. On a réussi à créer de l'émotion chez des gens, à donner envie à des jeunes, à des moins jeunes de rêver leurs rêves, enfin, de les concrétiser. Moi c'est super, je trouve que poster sur Facebook, être derrière son ordinateur, partager comme ça, c'est bien. Mais partager avec le contact du public, c'est quand même toujours vraiment mieux. Merci beaucoup, Liv, d'avoir été avec nous. Merci. On va recevoir tout à l'heure Christophe Dumaret pour nous parler du film Granit Tour. Merci. En attendant, on fait un point sur le programme de cette 19e rencontre du cinéma de montagne de Grenoble. Découvrez la montagne sous toutes ses facettes, en toute saison, à toutes les altitudes, en marchant, en courant, en grimpant, en glissant ou encore en volant. 5 soirées d'aventure et d'évasion, mais aussi les rencontres Montagne et Science, un village partenaire, une librairie de l'aventure et un échange direct avec les acteurs professionnels et passionnés de la montagne. You have to believe. I wanna go home. Dans le massif du Mont Blanc avec Christophe Dumaret. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tu présentes le film Granit Tour sur ses rencontres de Grenoble. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce granit? Alors ce rocher, ce granit à Chamonix, c'est un rocher qui est exceptionnel parce que c'est un rocher qui est dur, qui a des millions d'années et qui est composé voilà, de quartz, de feldspath, de mica, qu'en fait une roche qui est belle, qui est rouge, mais aussi avec des lignes de fissures propice à l'escalade sur coinceur. Vous êtes une belle flopée de grimpeurs et de grimpeuses, je crois, dans ce Granit Tour. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes camarades de jeu? Ouais, alors moi j'espérais que le projet soit plus participatif, plus invitational, comme on l'avait appelé, un petit clin d'œil anglo-saxon. Et puis finalement, c'est pas si évident de caler les agendas des uns et des autres pendant l'été avec les conditions météo. Donc le périple, je l'ai fait principalement avec Sean Villanueva. Oui. Qui est un des grands spécialistes de l'escalade en fissure de la planète. C'était la première fois qu'on grimpait ensemble. Ça a été une chouette rencontre et la naissance d'une belle cordée. C'est un beau personnage, autant couleur. Ouais, c'est un personnage authentique et on a bien rigolé. Et du coup, il y a Aymeric Clouet qui a pu nous rejoindre, mais plus comme un petit peu assistant image que vraiment avec nous dans les voies, même si on a fait une partie de la traversée des Aiguilles de Cham ensemble. Et puis Vivian Bruchet, qui est plus skieur, mais qui était partant pour nous rejoindre, et malheureusement, lui, il s'est fait mal pendant le périple. Donc, quand Arnaud Petit, Stéphanie Baudet, au dernier moment, ça n'a pas marché. On était principalement tous les deux avec D'accord, mais donc du coup, il y a toujours cette envie, et peut-être qu'il y aura une suite avec plus de monde et toutes ces cordées. Ouais, c'est chouette. Tu peux imaginer ça? Je pense qu'on est sorti de l'ère de projets qui sont trop individualistes ou centrés sur une personne. Là, moi, je trouvais que c'était chouette, un petit peu à l'image de ce qu'avait réussi à faire Patrick Béraud dans sa traversée des Alpes, de faire venir des amis et qui étaient en même temps des grands noms de la montagne. Donc ouais, moi, c'est toujours des projets qui me motivent et j'espère qu'il y aura d'autres projets avec une grande cordée comme ça. Ouais.
parlons un petit peu de ton actu à l'approche de l'hiver. Est-ce qu'il y a d'autres projets, soit donc personnels, on verra, ou voilà, d'autres projets pour cet hiver? Des projets comme le Granit Tour, ce qui est chouette, c'est que, étant donné qu'ils s'étirent sur la longueur, ils permettent d'amener de la consistance et moi de me nourrir pour un certain temps, pour ça calme un petit peu justement cet appétit et cette soif de verticalité et de montagne. Donc moi je pense que c'est un projet que je suis toujours en train de digérer. En plus là on est en train de terminer des films, des montages, des bouclages d'agenda avec des festivals dont ce soir on va passer une première mouture. Mais donc voilà, l'actualité elle est pas mal derrière le bureau et elle est dans les représentations de festivals. Mais ouais, je suis en train déjà d'essayer doucement de transformer des rêves en projets, quoi, dans un cheminement que je trouve toujours magique, ou d'une idée, il y a un projet qui se forme et de l'énergie qui s'agglomère pour qu'à la fin, on se retrouve au sommet. Et ouais, il y a des belles choses qui vont arriver. On en parlait tout à l'heure avec Liv, il y a de plus en plus de festivals de films de montagne. On a cette chance en France d'avoir plein de festivals, aux quatre coins de la France. Pour vous aussi, athlètes, c'est une nouvelle forme d'expression, une nouvelle forme de partage, de filmer vos aventures, vos exploits ou vos journées en montagne. Et là, par exemple, sur un festival comme Grenoble, où il y a une vraie rencontre avec le public, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cet aspect, pour toi aussi, athlète, de partager la montagne au plus grand nombre à travers ces images, tes images? Pour moi, de rêver un projet, de le vivre et d'ensuite le partager, c'est trois triptyques, trois versants d'une même montagne. Et aujourd'hui, pour moi, ça a d'autant plus de sens parce que j'ai l'impression que la montagne devient quasiment un territoire de résistance, en fait. C'était le cas des forêts avant, mais c'est un moment où on peut se retrouver en contact avec le réel, avec la neige, avec la glace, avec le rocher. Et du coup, des soirées comme celle-là, c'est l'occasion de... d'emmener des gens au sein de la cordée, de leur dire « Venez avec moi, on va en montagne. Ce que j'ai fait, vous ne pourrez peut-être pas exactement faire la même chose, mais imaginez en fait votre propre périple, imaginez un parcours. Essayez de partir dans la montagne, même dans Belledonne, même en Chartreuse, même dans les Aravis, pour aller passer deux nuits sous les étoiles. Faites cette expérience-là, quoi. Éteignez le téléphone, laissez les écrans à tout. Faites un petit pas de côté pour aller dans cette nature, se servir de son corps, pour faire l'expérience du silence, pour avoir un rapport privilégié avec un copain parce qu'on est dans un endroit qui permet ça, pour se connecter dans des environnements qui ne sont encore pas transformés et qui sont habités. Je ne sais pas par quoi ni par qui, mais qui sont habités. Moi, je le ressens profondément en haute montagne. En montagne, il y en a qui le ressentent profondément dans les déserts ou en mer. Ce n'est pas dans la difficulté ou dans la performance que se trouve la panacée, mais c'est dans la création et la réalisation d'envie ou de parcours que chacun peut vivre à sa portée. Merci beaucoup, Christophe. En attendant de vivre cette expérience en montagne, on va la vivre à travers tes images. On regarde ça tout de suite. Bonne balade à tous. Merci. Et là, on s'apprête à aller grimper Itachok. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça. C'est pas moche, ça. C'est parti. One, two, three, four, Sean on the Granit Tour. Il est à l'aise, ce jeune. Il est à l'aise, ce jeune. Je sais pas qui c'est. Il est à l'aise. Quand je pense que c'est la première fois qu'il fait de la fissure de sa vie. Un petit jeune qui nous arrive de Belgique, des quartiers chauds de Belgique. Il découvre la montagne aujourd'hui avec nous. Cheni, comme on l'appelle. Belle découverte. Est-ce que l'escalade te plaît? J'adore. J'adore l'escalade, c'est vraiment trop chouette. Ouais, c'est beau. Putain. En Belgique, les Français, ils ont une mauvaise réputation. Et puis, les guides, ils ont une mauvaise réputation aussi, quoi. Je m'appelle Christophe Dumaret et je suis un guide français. Pour le moment, ça se passe très très bien. Sean, c'est le seul qui bosse pas l'été et accessoirement qui est capable d'encaisser. Et puis, on a grimpé. C'était quoi encore comme nom ça va venir. Par contre, le souci, c'est qu'il a un petit peu de mal à se situer dans le massif du Mont Blanc. Hein.
petit à petit, je découvre un peu le massif et je mets un peu, tu vois, c'est comme faire un puzzle, quoi. Tu vois, j'apprends un peu des endroits et... Allez, bonne nuit, les gars. Antoine, on termine cette émission avec une touche de poésie. Merci d'être avec nous. Tu es grimpeur et depuis quelques années maintenant, tu nous proposes des spectacles merveilleux, oniriques, autour de l'escalade, dans lesquels tu mêles de la danse, vraiment une poétique, c'est une petite création artistique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, quel est ton parcours un petit peu et comment tu t'es tourné dans cette voie? Bah, j'ai 52 ans, ça fait 53 ans que je grimpe. Et à un moment donné, j'étais dans la performance sportive, c'est-à-dire toute ma conscience, toute ma créativité, toute mon énergie, et était là pour réaliser des voies difficiles. Avec la, j'ai accompagné la naissance de l'escalade libre. Et à un moment donné, il y a eu les premières compétitions sur mur artificiel. Mm-hmm. Et on m'a proposé d'être ouvreur de voie. Et donc, j'ai ouvert la première compétition sur mur artificiel. Et tout de suite, là, j'ai senti que j'étais un chorégraphe qui écrivait des gestes pour les compétiteurs. Et je me suis aperçu d'une deuxième chose, c'est que ben, la compétition, c'est du spectacle. C'est du spectacle, c'est quelque chose qui est imaginaire. En fait, hein, c'est un champion de quelque chose, de pas de n'importe quoi, mais où tu racontes des règles imaginaires. Donc j'ai inventé des règles avec du suspense, avec de la dramaturgie, du spectaculaire, de l'empathie, comme dans un spectacle, entre un grimpeur et des spectateurs, qui sont tous les ingrédients du spectacle. Donc j'ai libéré, après la contrainte de la compétition, de l'esprit compétitif, hein, où il faut être meilleur que l'autre, pour développer l'esprit d'émulation où l'autre m'aide à être meilleur, où je suis plus dans le partage, dans la rencontre. Et j'ai commencé à créer des spectacles en me nourrissant de l'imaginaire autour de la hauteur. Mm-hmm. Donc d'abord autour des super-héros qu'on a, Spider-Man, le Père Noël, le Petit Prince, Roméo. Enfin, je me suis nourri de toute cette culture verticale pour créer mes spectacles. Et puis là, en ce moment, c'est une proposition que je vais faire là pour les rencontres, c'est une proposition sur l'histoire de l'escalade. Je viens revisiter l'histoire de l'escalade dans les années 60, 80 et 2020. Donc il y a trois parties. On découvrira ça tout à l'heure. Tu as vraiment créé des ponts entre l'escalade, le sport, cette chorégraphie du corps, ce travail sur le corps et les arts vivants. On a même pu te voir dans la cour d'honneur du Palais des Papes, c'était en 2008, dans une mise en scène de Romeo Castellucci, qui est vraiment un plasticien très pluridisciplinaire, et dans lequel vraiment, voilà, tu es à la fois un danseur, à la fois un chorégraphe, à la fois un grimpeur. Est-ce que voilà, tu peux nous dire un peu plus sur cet imaginaire, que ce soit avec d'autres artistes ou toi dans la création de tes spectacles? Tu nous dis que tu travailles vraiment sur la verticalité, sur la hauteur, mais comment tu arrives aussi à mêler la musique, la danse, le théâtre, tous ces univers? Ben, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on fait de la performance sportive, on est plafonné, toute ma conscience est dans cette direction-là. Quand on fait de la performance artistique, en fait, j'ai une conscience pour le mouvement, mais je laisse de l'espace disponible à autre chose. Mm-hmm. Je laisse de l'espace disponible à un état de corps, à une relation avec les spectateurs, à un imaginaire, à vouloir proposer des pistes pour pouvoir rêver. Donc, c'est ça qui est intéressant dans l'art, c'est qu'on laisse de l'espace disponible à l'humanité et à de la poésie. Là, dans la rencontre dans Castellucci, en fait, c'est arrivé parce que quand j'ai commencé à faire du spectacle, j'étais à Bux, je suis allé créer mon premier spectacle en 87 à Villeneuve-les-Avignon, sur du rocher, le même rocher que Bux sur lequel je grimpais, qui servait à bâtir les monuments, et sur lesquels maintenant j'allais faire du spectacle. Donc j'ai eu ce rêve de grimper, là je l'ai écrit aux organisateurs, et un an après, Roméo Castellucci m'appelait pour venir grimper la façade de la cour d'honneur, nu et en solo. Normal. Alors, je lui ai dit, bon, c'est quand même un artiste extrême, je lui ai dit, écoute, nu, si tu veux, ça je peux le faire, donc tu vas voir, je vais le faire, je vais te le faire, mais en solo, non. Je trouve qu'il y a une indécence. Pour moi, l'indécence, elle n'était pas dans la nudité, elle était dans la prise de risque que j'allais prendre devant 2000 spectateurs tous les soirs, où j'allais tellement prendre de risques mortels que j'allais avoir une conscience uniquement dans la survie. Et ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir ma conscience que dans la survie, mais dans de la poésie. Et donc le fait de se sécuriser,
me mettait cette marge-là chorégraphique. Et ce qui m'intéresse aussi dans le spectacle, c'est que dans l'escalade et dans la montagne, on a un acte relationnel avec la montagne, mais en fait, on a besoin de le raconter. Mm-hmm. On vit aussi de ce que l'on va raconter, de son histoire. Donc on le fait par des films, des échanges avec ses amis, ses copains. Mais dans le spectacle, je fais les deux en même temps. Je raconte et je vis et je partage ma course, ma performance avec les spectateurs en direct. Merci d'avoir regardé le spot. Merci à nos invités Liv Sansoz, Christophe Dumaret et Antoine Le Ménestrel. Vous pouvez revoir ce numéro sur la chaîne YouTube de Trek. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du spot.